Sénateur Primatien, qui c'est Gary Conny, monsieur Palé, après qu'il soit passé presque une semaine dans le pays États-Unis, il t'a profité de faire ensemble de réunions, ensemble de rencontres. Selon PM Gary Conny, m'a cité, m'a répété, monsieur dit que gang yo gen un temps devant yo pour yo déposer zam, rendre tête yo bay la justice et reconnaître autorité de l'État. Ça veut dire que c'est comme quoi m'a dit que Gary Conny m'a dit que joue barbecue compté, joue organisation criminelle vive ensemble compté. Parce que monsieur dit clairement, l'État pas carité dans une éternité à attendre de déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État. Il persiste sur ça encore. Il dit clair, c'est première étape là. Que nèg yo dépose les armes et reconnaître autorité, rendre tout la justice, reconnaître autorité de l'État. Mais l'État pas qu'à faire un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, à attendre bandits armés. Et ça veut dire, ça, l'imande pour vous faire, que vous faites rapide, parce que avant longtemps, l'État pral passer vitesse là. L'État pral passer sa nrele vitesse de croisière là. L'État pral mettre en TGV, train à grande vitesse. Et l'État pral vraiment comprendre que faut y agir. Et PM Gary Conny, monsieur Redi, il répétait, m'a cité, l'État pral prend contrôle pays hein, caille en caille, quartier en quartier et ville en ville. Il persistait sur ça. Il persistait et il restait derrière, il signait derrière, comme d'autres que il dit il signait derrière. Et je dis hein, est-ce que PM Gary Conny, parce que je dis un peu, mon abdi, PM, non, oui, ouais, c'est un qui vraiment éloquent, il a parlé, il vraiment comme ça l'abdi, hein, ouais, qui est posture premier ministre, dans le langage, li, ouais, c'est un grand intellectuel, son frère intellectuel, oui, c'est un technocrate, oui. Mais je dis, hein, pays, hein, société haïtienne, non, besoin d'action. Action dans mes conseils présidentiels, yo. Action nommé PM Gary Conny. Action nommé DG Ramon Normil. Action nommé et ministre de défense et ouais état-major la meilleure. Yo besoin action nommé yo. Mettez avec mission multinationale soutien sécurité à Haïti. Je dis hein, PM Conny clairement dit li pa gen division avec conseil présidentiel yo. Sauf que li reconnaît il y a un problème communication qui vraiment existait entre la primature et la présidence, mais il y a travail sur ça pour que problème ça soit capable de résoudre. En tout cas, nous là, moi avec des Ivenes, nous présents nous là, comme journaliste, comme directeur d'opinion, nous même, nous pas venir gérer Zebou Moun, nous venir gérer information, nous venir bailler information, nous venir analyser information. Désir, sans blesser pour tout le monde là. Ma prenne ge Calblende Pro Max, si m'de le konsa, ba konne non, c'est ça, oui. Et qui entre là, pour jouer te samedi 6 juillet. L'incitation semble bagala pa pou jet, parce que communauté internationale là, depuis un bon bout de temps, kap viré tourner dans la question, vini mission multinationale là. De fait, m'kwa tout le monde te constate, yo rive dans le pays d'Haïti, et kounia question matérielle, en pile moun ta posé tête question, est-ce que matériel adéquat ou ap vini pour permettre que mission li réellement rentrer en fonction capable de travail, parce que dans diverses fois que nous avons officier Kenya ou dans la rue, nous avons à pied que nous avons fait des patrouilles, nous avons fait des montées de descente, et bien pendant la journée ailleurs, les personnes gagnent 4 blindés qui rentrent en dedans pays. C'est avion militaire américain qui débarque à Kyo Soutamak, aéroport international. La machine blindée, c'est MRAP qui rentre en dedans pays. C'est MRAP, oui. MRAP, oui. Okay. Qui pratiquement vini, qui sans doute. Et c'est des blindés qui vont en pile, qui préparent pour faire combat. Je dis, bandits, ils pratiquement cabrivé dans la dernière limite. Songez, les États-Unis, département d'État, te promettent, ils ont ensemble des blindés d'infanterie qui ont été de bail avec la police et la médaille, tout, doit utiliser, qui permettre de faire face avec ça, banditisme qui a fait dans le pays. Exact. Eh bien,
pour poursuivre avec dossier mission multinationale là, Kenya déjà gagné un groupe officier qui a dans pays déjà de retour premier ministre Gary Conille ou senti qu'elle joigne en pile espoir ou senti qu'elle joigne et bon côté communauté internationale là et mélanger qui montre que pral résoudre problème qui gagne dans pays qui lié avec question insécurité qui baille en pile problème en pile fois gros question à poser qui ça cause la police et journaliste toujours gen couteau tiré dans activité officielle yo. Mm-hmm. Et bien la police jodi a on l'autre fois te gen et couteau tiré avec journaliste qui était rentré dans salon diplomatique là pour tal dans point de presse conférence de presse et rapport que premier ministre Gary Conille t'a bail. Gen yon policier qui en uniforme qui déclaré journaliste bail problème c'est eux même cap servi gang tout est dans capitale pays a. Ça qui pratiquement c'était gros débat en pile question à poser qui ça policier ou voulez faire. Là où on est, collaboration, la police avec les journalistes, c'est pratiquement des bagages extraordinaires qui permettent que le travail arrive fait, puis bien toujours, les personnes. Chrétiens qui sont dans la communauté diaspora haïtienne, ils ont frappé fort, les personnes, qui permettent gros débat à faire sur les réseaux. D'après Pasteur Grégory Toussaint, responsable tabernacle de gloire, il y a un système audiovisuel qui est installé dans un nouveau bâtiment, l'église qu'elle gagne, qui coûtait 9 millions de dollars. Sorti dans achat terrain, passé dans plan, rivé dans construction, installation technologique, bâtiment qui coûtait 60 millions de dollars. Ça fait gros parler à travers les réseaux. Mounio même dit fidèle dans l'église, pas qu'à manger, il a fait don qui a permis 60 millions collectés pour construire l'église. Comme ça, tout le monde dit. Ça, c'est pratiquement un bon pas pour chrétiens haïtiens qui dans la communauté internationale là, qui voyaient un exemple aller. Qui montre si communauté a vle, mette tête ensemble, gros paquet de bagay que vous cap fait dans pays mounio. Qu'on sa tous si vous mette tête ensemble, gros paquet de gros bagay que vous cap fait en dedans pays d'Haïti, Blaise Peterson. Jodi ya, Haïti trouve le non impasse, côté le besoin, toute petite lik pour mettre main. Ancien sénateur, Nenel Kassi, mandé à la population pour mobiliser, pour porter et support par le conseil présidentiel transition à tout gouvernement et pour accompagner nos batailles pour résoudre problème de sécurité qui gagne en d'un pays. Comment ça va le faire? Qui j'en va le faire? Nous pas qu'on est. Parce que jusqu'à présent, peuple a dans la noisseur, peuple a trouvé une situation qui est très difficile, il va qu'on qui est-ce qu'elle veut faire confiance. Premier ministre Gary Conille, dans l'allocution, il montre des dommages pour les gens qui victimes, dans ça qui passe en d'un pays, dans tout ça brigandage. Il pratiquement dit, il va laisser d'autres ouais pour réparer les gens et qui permettre que la justice triomphe. Pour permettre bandits, sans foi ni loi, cap terroriser moun, cap saccager pays, ou y a le côté, on côté pour machine pas frapper, ou bien dans l'opération que la police a mené, si y'a bas balle, c'est bas on y rejoint, ça c'est le cap qu'on est. Mais le bas option pour déposer les armes, c'est si vous voulez. Si vous n'avez pas option ça, eh bien, la police, avec force multinationale là, va frapper contre les situations. Deuxième, on va ajouter, me dit que, jeudi dimanche 7 juillet ça, date ça qui c'est 7 juillet, l'y fait exactement. Trois l'année depuis que malfaité en Haïti, même si bagarre la clé, malfaité en Haïti, classe politique traditionnelle ça, mettez avec oligarque corrompu, TP ou ensemble de mercenaires étrangers, y était assassiné président Jovenel Moïse en dedans chambre la Kaili sous cabane qu'il était couché avec madame Li Martine Moïse. Pas oublié non? Moi dit politiciens traditionnels, politiciens conseils, politiciens et soufkout, politiciens figi plat, politiciens esclaves mentales enchaînés, oligarques corrompus, et même communauté occidentale, te mette avec oligarques corrompus, yo te paye une trentaine mercenaires étrangers pour entrer en dans chambre kay président Jovenel Moïse, yo assassinel. En pile moun arrêté, en pile moun condamné dans dossier assassinat président Jovenel Moïse dans déjà. Et ordonnance nous pas oublier, juge Walter Wessé Voltaire, qu'il te rend, il te voyé, ancienne première dame nan Martine Moïse, ancien premier ministre à l'époque Claude Joseph, ancien DG la police à l'époque Léon Charles, pour me citer ça ou seulement. Al jugé devant tribunal criminel dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse non. Et yon nan se, alors cerveau clé assassinat président Jovenel Moïse selon DCPJ et la justice haïtienne c'était Joseph Félix Badiou. Yo t'ai arrêté monsieur dans fin année 2023.
Je dis à qui ça a passé. Est-ce que Badio, Félix Badio vivant, qui ça Badio dit? Est-ce que transféré Badio à l'étranger? Qui ça a passé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse? Non? Bien que nous connaissons, un ensemble de partisans, un ensemble de sympathisants, président Jovenel Moïse, il continue à demander justice pour président Jovenel Moïse, c'est cas et militaire politique Rosemont Jean, qui lui-même t'est organisé à travers Fronop, une messe de requiem en mémoire du président Jovenel Moïse, dans l'église catholique Christ-Roi. Et il était clairement dit que dans soirée vendredi et samedi 6 juillet hein, environ 6-7 heures après-midi dans la soirée, il y a organisé pendant un petit temps une veille patriotique et le dimanche qui c'est 7 juillet hein, il y a organisé de mouvements, il y a sorti devant le président pour arriver devant Binu, il y a sorti d'Elma 33 pour arriver devant Binu dans Pétionville pour encore envoyer un message ben international puisque il dit clairement que la mort président Jovenel Moïse pas à planifier et mais là, dans City aux États-Unis, pour que les États-Unis acceptent que des mercenaires arrangés avec des oligarques corrompus pour entrer à tout le président Jovenel Moïse. Il y a plus de monde qui suspecte dans le président Jovenel Moïse. Non? Et veillez, l'équipement a tout fait. L'équipement a camoquin. L'équipement a assassin. Qui prend le cadavre du président Jovenel Moïse non? Pour faire campagne électorale. Veillez, parce qu'il y a pile là pour le servir de cadavre président Jovenel Moïse non, pour demander que pour faire capital politique yo les pral gagner élection. Si y a gagner élection comme pas connait si a fait vraiment. Ma connait si et koni a fait vraiment pas connait. Mais en tout cas nous là ça qui la kawel. Même qu'on est grand pile zami k'ap gade émission ça. Même les qui au terrain mais pas très Jovenel Moïse, même qu'on est grand pile mon cap sur l'émission ça qui ces deux moun qui condamné la mort Jean que président Jovenel Moïse assassiné et qui toujours demandé justice pour Jovenel Moïse. Dans moment ça désigne émission ça ou même qui passe pour demander justice pour président Jovenel Moïse écrit dans commentaire ça justice pour Jovenel Moïse. Justice pour président Jovenel Moïse. Bien que nous connaissons une somme de 500 millions, mais 5 millions de dollars, je crois, si je ne trompe pas, et y a bah avec Martin a une portion, Jovenel a une portion, on va dire comme ça. En tout cas, peuple haïtien dit, Jovenel Moïse, parce qu'il était engagé pour le peuple anti-reste là. Oligarque corrompu, machin pays, machin blackout yo, et ne quitte kembe, et anti, et statu quo, ne quitte alimenté pays lok yo, jodi à côté yo, yo fin arrangé yo, yo assassiné président Jovenel Moïse, yo quitte pays yo, yo quitte jungle, yo quitte l'enfer pour nous en Haïti. Ben politicien imbécile, ben politicien soufflant chou, parce que jodi yo, nous t'ai dit, si nous m'avons Jovenel Moïse aller dans mouri yo, mais Jovenel tellement aller le mouri même. Est-ce que ça a changé? Non, ça va même changer. Et je veux dire, c'est même moun sa yo, kap ouve même bouche yo, kap di si, kap di ça, kap di se, kap di ça. Mais non, nous t'es quelqu'un pour nous détruire Jovenel. Et mais pas le moun qui nous a fait, en un sérieux. Désir, et nous allons venir avec, Magone, nous sommes tous les mots sur Jovenel là. Ben, Blaise, l'important pour le gouvernement qui l'a, gouvernement transition, hein, ta l'ouvre porte, dans ensemble de discussions, dans ensemble de engagements qui vous avez été, dans ça qui vient pour avec justice. Pour président Jovenel Moïse, qui mourit lâchement, assassiné, la Kaili, et en plus, le monde a dit son complot, qui sortit au sein de Jovenel Moïse, qui était livré, l'un songé Dimitri Hera, et qui était pratiquement dans le cordon de sécurité Jovenel Moïse, qui était dans la prison, qui beaucoup n'y a bénéficié grâce que bandits ont fait dans la pénitentiaire nationale. Je vais quitter Baïsa, impuni, faut qu'on va faire la donne pour n'être à forme qui est dans le pays. Qui a contact avec la communauté internationale là, pour ne pas comprendre que vous capturez n'importe président qui est élu dans le pays à mosquée dans le moment que vous avez indifférence contre lui, la situation. L'Iclair des Ivenes qui est venu avec PM et PM Gary Kony, nous prenons venir avec Lila dans la déclaration qu'il fait pendant que l'ICA s'est retourné dans le pays et l'I parlait, il va présenter bilan. Bilan voyage li, et nous venons avec PM Kony. Avec première séquence ça, parce que pas de l'autre séquence pour qu'on soit capable de faire débat sur Yodési Venesse. En dehors de PM Kony, et bien, nous tendez, soit aspect
question sécurité, hein, et après ça, nous allons regarder l'autre point qu'il était touché. Nous allons venir avec la PM Gaïkouni. Je peux réfléchir à comment je peux peut-être aider à clarifier la situation. Pour moi, la question de sécurité, il y a quatre priorités. La première priorité, moi, c'est que tout côté, l'État pas là, il faut retourner avec l'État. Affaire de territoire qu'on ne peut pas contrôler, c'est une priorité pour moi, pour l'État reprendre place. Retourner, institution retourner, et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision, l'État. Deuxièmement, et ça, c'est une grosse priorité, il faut que capable de retourner la caillou. Il faut absolument que moun yo capable retourner la caillou. Troisième priorité, il faut que moun yo capable circuler dans le pays sans que sauter. Absolument sans que sauter, monter, descendre, que coule dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que moun ki victime yo, faut que yo joigne justice et réparation. Il faut que yo joigne justice et réparation. Tout ça me fait depuis me venir et tout ça me fait jodi avec lui en le voyage et tout ça me va le faire dans les prochains mois, d'aimen clair. C'est autour de quatre priorités ça. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour le premier contingent en venir. Nous travaillons avec la police pour nous renforcer. Nous travaillons avec la justice pour la justice présente. Nous travaillons avec les partenaires pour nous les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force entre la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ce qu'on a fait. Nous analysons avec toute équipe, nous, toute entité, comment nous pouvons avancer pour nous récupérer et me dire nous ça plusieurs fois. Quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, je suppose nous, nous comprendre. Et c'est sous ça que nous continuons à aller. C'est clair. Pas de débat. Nous avons quatre bagailles que pour nous capables de sortir dans ce pays-là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut, pas rien l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde montrer. On ne sait pas si peut-être ça il suffit de pour un peu mieux, ça nous l'a dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme qui est là pour ça, pas qu'il n'y a aucune discussion pendant qu'on a un fusil, un revolver, un arme ou quoi que ce soit, c'est la première démarche. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État, laisser l'État qui contrôle les côtoyers, ou pas qu'à camper là, et puis pour dire, moun baka la dan. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comme on m'a plus clair. Le coup, il reconnaître ou accepter l'autorité de l'État, dans ce cas, si vous voulez parler, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons fait sauver. Mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes depuis deux semaines, trois semaines, depuis le gouvernement là, maintenant. Et m'a profité de ça. Bon espace limité. On ne peut pas attendre indéfiniment pour déposer les armes, pour suspendre le brigandage. On dit l'autre jour, le film ça va gagner, l'autre gens le fini. Haïti n'a pas perdu. Ça prend un jour, ça prend deux jours, ça prend une semaine, mais nous n'avons pas perdu la bataille. Ça. Et peuple haïtien n'a pas suspendre la bataille. Donc, on fenêtre, pour déposer les armes, pour nous reconnaître l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je dis, est-ce qu'il y a un doute sur le côté de nous aller? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce que nous avons un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous ne pouvons pas prendre un quartier, nous ne pouvons pas prendre un caillou, nous ne pouvons pas prendre une vie nous et que nous ne pouvons pas prendre un pays nous. Si il y a un doute sur ça, eh bien, je dis à nous, nous connaît pas de doute sur ça. D'accord? Mais espérer que ça finit avec toute bagaille sur les réseaux sociaux. Je vais parler les yeux. Et vraiment pas oublier, question est déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Depuis les PM nan te dit là que l'État a fait conférence conjointe avec chef délégation kenyan en Haïti, ça t'est envahi réseau. Et encore plus pendant que PM nan États-Unis nan interview que t'es bay avec Radio France Internationale RFI, PM nan t'est encore répété même bagay ça. Bandio gè pour déposer les armes, reconnaître autorité de l'État et après ça k'ap vini ap konnen. PM nan, nan question qu'on freine Jean-Alain Macajou, pose il. Li montre vraiment sacré en pile débat sur les réseaux. Même nous, même ici, on fait débat sur lui. Et même nous, même ici, on demande des amis internautes qui suivent nous, qui réagissent sur lui. Bah, oui, en plus, moun ki dit non, pas une question, et mande bandi, reconnaître l'autorité de l'État qui pour imposer l'autorité, pas une négociation avec bandi, pas une. Le gars de majorité réaction, yo. Pas seulement dans l'émission Panouyo, mais sous toutes les médias, les plateformes sur réseau, hein, et de médias traditionnels, nous, tout le monde, son seul bagage a dit, pas dans question négociation avec Bandi. Mais après là, PM Koni,
monsieur poté de Andy du plus dans sa dire parce que autrefois elle pas mentionné des bagages comme si et la vie reprend ou dit moi ce que mon yo doit si qu'il est libre bon oui par rapport avec ville en ville quartier en quartier maison en maison OK mais qu'il y a les vin ajouter faut yo dédommager et réparer mon qui victime yo ouais ça quel que soit mon cap sur moi adhésif longtemps dans émission nous yo ou après nous répéter ça souvent parce que comment l'état chercher ses parties bandi yo et mon qui victime yo même quand c'est pas si moun sa yo et qui ça l'état pral faire avec yo parce que moi t'ai vraiment persisté sur ça moi avec des Ivenes nous t'ai persisté sur ça on ne peut plus je dis hein moi certain que équipe communication PM dans 4 ans de travail nous yo obligé venir ajouter question faut que dédommager moun ki victime mais kounya baba non menti messieurs dames oui dédommager moun ki victime yo gen moun pou satisfè là. Faut ouais tout bandi honnête oui. Bien que ça va pas fait. Faut dire bagarre la clé Jean Lia. Tu es tout bandi de zéro jusqu'à combien il rivé hein, il va pas fait. Et même l'état t'a qu'a fait tout va fait dans un jour. Il va pas fait dans une semaine. Il va pas fait dans un mois. Il va pas fait dans une année. Non. Pour montrer nous oui. Mais kounya si que vraie bataille qui pour mener contre bandi yo, pas seulement bandi a sa patio. Jean que ancien colonel Himmler rebuté dit l'avant-hier. Si mon les gens me disent, si mon m'a regardé dans vidéo next team 103 zombie bébé bougoyo. M'a regardé un petit piti oui, que moi estimé qui capable dans 12 13 14 l'année. Et pas plus que 10 15 comme ça. Avec ces deux nèg vraiment si que la police a mené bataille. Regardez, depuis 5 ans, vous tombez sur le secours. Depuis 2-3 ans, vous tombez sur le secours. Parce que vous n'avez pas gagné comme formation, vous êtes tout ni, vous êtes pied à terre, vous êtes souhait, vous êtes sale, vous n'avez pas gagné dans la question de l'âme, dans la question de goumen. Si vraiment, policiers nous yo, et militaires l'âme nous yo, yo qui formé pour ça et préparé pour ça, dit yo qui matériel nan men yo, y a goumen kote nega me, kote moun samouè la yo, yo pas ka goumen vraiment. Ça veut dire, pour me répéter DJ Benel, question résout insécurité, son petit détail que lié. Son détail que lié. Mais il faut qu'il y ait volonté. Il faut qu'il y ait volonté d'abord. Et l'aime dit volonté, volonté politique d'abord. Il faut que ni conseil qui a volonté ça, ni gouvernement qui a volonté pour ça, et bail DG la police en moyen, bail l'armée en moyen, et même la mission qui a eu, bail au moyen pour résoudre ça comme insécurité. Et n'a commencé ouais en grande partie résultat yo et baba nous menti parce que pas oublié et pas seulement moun 600 000 moun et 300 000 si moun qui était là quand qui besoin de nous désir diaspora haïtien qui était des années pour qui va rentrer la caillien li besoin rentrer la caillien Haïti tout parce que nèg yo prend bien yo nèg yo prend caillou ou imagine nous désir ça m'a dit hein ça m'a dit gars qui d'accord avec pas d'accord avec. Imaginez quand pile moun nan diaspora kap écrit nous là à travers émission nous nan numéro ça ken là 302 612 6531. Les grand temps m'a pris ensemble de commentaires de messages à 90% moun yo di Blaise désir nous besoin retourner la caille nous mandi prend caille nous nan peignier mandi prend caille nous nan torsel mandi prend caille nous nan tabac mandi prend caille nous la plaine mandi prend ça veut dire moi même comme m'konté m'en bouquer avec message ça yo me dit bon finalement ça m'a fait là moi même mais sauf que moi même le fait que mon assurance, mon espoir, mon garantie que Haïti pas qu'arrêter comme ça. Haïti pas doit arrêter comme ça. Et ça que m'a toujours dit diaspora haïtien yo, m'a pas dit ça PM nan, m'a pas parler PM nan non, mais m'a dit nous clairement. Rete croire, rete confiant que Haïti pas qu'arrêter comme ça. Haïti pas doit arrêter comme ça. Faut gagner la paix pour que nous entrer la caille nous, la récupérer bien nous. Ça c'est une et faut entrer la caille nous parce que nous avons des années que nous pas famille nous faut qu'à louer yo bien même après que nous ta retourner à Haïti et côté d'ailleurs côté nous résider mais quand même rentrer la caille nous Haïti c'est nous envie ça et me toujours dit le désir moi même moi voulais ça m'a dit me clair sur lui moi voulais fin année 2024 ça si mon Dieu la vie a prêté nous ti soufflant toujours que au même cas jeune au moins 70%
diaspora haïtien capable rentrer Haïti, al passer fin d'année Haïti avec famille. Et qui ensemble de jazz haïtien qui obligé c'est à l'étranger, c'est Canada, c'est la France, c'est États-Unis, obligé à évoluer et mesure que yo même yo ka réaliser quelle balle Haïti pour mon aller danser et pas balle ba voler bandi non, mais bon balle de danse. Besoin que en février ou 10 mois mars 2025 que ça gagne des années là que diaspora haïtien parce que pas oublier grand pile monde dans diaspora qui danse carnaval ou réduit bret là. Pour que yo capable à danser carnaval national yo. Puis regardez, puis à danser yon moi qui dame dit là. Bon, même tout j'ai pas fini gazé tout. Puis à danser une équipe, puis à danser un créole là, puis à danser un dimout boy. Puis à danser pratiquement besoin ouais ça fait, yo peut besoin ça fait. Puis à danser regardez, puis à regardez quand ils avaient pour à boire avec nous ça fait. C'est vrai, fait année 2023, ça fait quelques petits balles, mais il n'y a pas très trop, non? Mais vraiment, il y a des gens qui ont besoin de ces affaires. Mais tout ça, vous me dites, on nous encore tourné à Haïti, on classe. C'est là comme si vous me dites que diaspora haïtien, moi-même, je voulais arrêter de croire que ça, nous besoin, nous avons besoin. Et qu'il y a pile dans nous, pendant que Bandi a déclenché le mouvement en Haïti, qui a été pour acheter mourir, mais malheureusement, même un dernier hommage que nous avons à l'assister dans l'enterrement. Nous avons souhaité, en fin année, ça là, l'entrée à Haïti, même son messe de requiem, même si un tonnel là, cassé dans la mémoire, nous avons laissé nous faire ça. Désir, frère, nous avancer. La situation est importante, est nécessaire, parce que nous passons tout le temps, nous avons analysé le discours PM Gaïkouni, nous avons analysé le discours conseiller présidentiel, nous avons analysé. Discours, il y a ensemble des militants proches gouvernement ou bien proches conseil présidentiel transition. Nous avons tout à demander, est-ce que il y a cherché résoudre problème de sécurité, mais réparation et restitution pour ensemble des gens qui fait de dans pays, est-ce qu'il y a ignoré ça? Comme nous, le premier ministre Gaïkouni, les soucié, les conscient qu'elle connaît, il y a des gens qui vivent victimes dans pays, même parce que Gaïkouni à travers discours ça qu'elle tournait. Il veut permettre que l'espoir bourgeonne bon côté peuple haïtien dans capitale pays a qui 80% sous contrôle bandi et dernier appel là c'est dit bandi vienne déposer les armes reconnaître autorité de l'état et la justice a gagné pour faire reste là les situations même passé Gaïkouni il correct dans ça dit et c'est permettre que la police l'armée tant qu'on dit qu'elle pourrait lui former une task force à qui qui va permettre qu'on fait travail à plus bien, nous pas qu'attendre que ça arrive fait. Mission multinationale là que contingent Kenya qui est dans pays là, c'est pas flâner pour venir flâner, mais c'est un combat pour venir parce que yo touché 600 millions de dollars dans quatre missions ça que yo fait partie qui dans tête là malgré nous vous attendez l'autre pays qui parle pour faire déploiement pas yo pour venir rejoindre groupe Kenya qui est dans pays à des personnes. Mais matériel yo commence à augmenter, matériel commence à venir, ça baille l'espoir que pour la sécurité a il presque venir en bouter. Vous savez ça? Vous savez que c'est espoir? Que gagne espoir, mais c'est personne. Parce que, ou qu'on ouais, c'est ensemble de blindés de transportation des troupes, qui sont souvent à bail avec la police. Mais je dis, quatre blindés qui vivent hier samedi, qui descendent sous des avions militaires, sous Tamak, aéroport international de Saint-Louverture, ils tout dit, ray bandio, ça c'est fini. Si bandio pas comprendre, ils ne comprennent pas. Mais c'est ça veut dire. Là où il y a des matériels de combat, on mettrait des quoi? Parce que nous sommes dans des centres matériels, les au moins 100 vols d'après là. Nous disons, ouais, t'as gagné un petit hélicoptère. Il y aurait des mini-crickets qui comptent dans la question d'opération. Ça veut dire que matériel adéquat pour attaquer Bandio, pour mettre Bandio, il dans le lieu. Mais la population a besoin très vigilant, très prudent, parce que action que M. Karl pose là, action de dernier recours, action de résiliation que M. a posé, il y a commettre. En pile meurtre, il y a tout en pile monde dans le pays, il y a des personnes. Mais PM n'a dit tout, n'est-ce pas très limité devant vous tout? C'est-à-dire l'État va arrêter dans l'éternel, l'abdi n'est que déposer les armes. Et l'État va pouvoir plein pour moi, mes amis. L'État va pouvoir plein en bas pour moi, mes amis. L'État va pouvoir plein. Barbecue habillé rouge et blanc. Oui. Pour faire discours, pour faire l'histoire. Ou est plein ça, l'État PDE, PM a PDE demandé. C'est bon Dieu pour faire plein ça, ou a demandé, l'État t'en pour soubler, ou comprendre c'est vrai, ne connaît toi nous, je dis à bah nous chance non. Et pour faire PDE plein ça, ok, donc je dis à pas PM, je dis l'État, Jean que, et DJ Benel te dit, l'État qui est pour imposer autorité, c'est fini.
c'est fini en pays. Désir, en nous déjà de dire, nous avons regardé séquences insécurité que Koni a porté précision sur lui, mais il y a de l'autre point que PM n'a été touché dans quatre conférences pour la presse à Kulba et samedi, qui était 6 juillet, dans l'aéroport international tout seul au après qu'il se passait une semaine dans un ensemble de rencontres, un ensemble de réunions de haut niveau avec de diplomates de pays, tout ça, yo, pour être comment capable de continuer d'aider Haïti dans la situation qui a été trouvée là. En dehors de PM, non, avec l'autre point qu'il était touché dans quatre conférences pour la presse. Merci, merci beaucoup. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup, m'a salué nous. Voilà, Mathéa, merci Kevin, nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington là. Pour qui ça allait, ça nous allait chercher, ça nous poter et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons. PM Nantal fait marcher, papa, ça fait provision. Ça coûte les chargés, coup la boulot. On avance nos PM. Ça coûte PM n'a chargé. Oui, oui. Mais que moi, je suis persuadé que y a quatre bails qui pourraient arriver pour que nous réussissions la transition. Premier bail là, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui sont en otage, plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté de bail, une élection. Nous avons une situation côté de monde qui a souffert. Premier bagage là, c'est que faut qu'haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vienne travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Moi, je dis que moi, j'ai hérité des institutions là à côté, excessivement fragiles, nous avons perdu volonté de travailler, en pile monde parti. Moun ki pou pren décision l'institution pa la, police la goumen a zon li très souvent. Donc deuxième partie important c'est que nous renforcer capacité instrument nou gen yo pour nous capable adresser problème que nou gen yo, c'est yon nan bay ki très important pour succès crise la. Troisième élément ka pèdé nou réussir la crise là, c'est comment nous pral travail utiliser avec en pile efficacité une an pi gros zam instrument que nou gen qui c'est diaspora nou. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui ont gardé Haïti, je dis à moi, ils ont un avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons, que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Saint-Étienne, le pays a pas la situation que l'il y a. Pourcentage nous gagnons en général, taux d'exécution excessivement bas. Projet nous gagnons très souvent décousu, pas aligné avec la réalité n'a vivre là. Sentiment de l'urgence là, peuple haïtien dit non, assez souvent, il a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui sont habitués à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont des problèmes, ils ont fait face à eux. Ils ont des préoccupations par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, 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 ils ont jamais fait. Donc, il y a pile de raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, le niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale, là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise, là, nous pour elle. Quatre éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir dans cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ deux semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères au Paraguay, côté de la une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le porter un message, pour le dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini la stratégie. Nous avons renforcé la police. Nous. L'État ici a vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liée à son période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet Haïti. Nous sommes capables de venir à Haïti à PCFR pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays, le l'autre pays a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié la discussion. Nous-mêmes, nous partons à Washington. Nous partons à Washington avec
ministre des Finances. Nous partons à Washington avec ministre, le gouverneur de la banque. Nous partons à Washington, ministre des Affaires étrangères, qui était déjà sur le Paraguay, vient joindre nous. Pour nous parler d'abord avec institutions financières. C'est ainsi que nous avons rencontré Banque mondiale. Et nous là avec le ministre financier parce que c'est le gouverneur de la Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la Banque parce que c'est l'IC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire quatre bagages. L'un garde pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti qui ne peut pas mener nous côté de Bralia. L'un garde pour nous une rapidité avec laquelle le décaissement est fait, nous ne pouvons pas satisfaire. L'un garde pour nous une contextualisation priorité, yo, nous ne pouvons pas tellement ouais, nous aimer ouais, mieux. Le but, c'est de rassurer, yo, même si vous avez une pile question pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois? Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre la santé sous pied. Faut l'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner les gens tout le temps. Donc, nous n'avons pas qu'à attendre, nous n'avons pas qu'à camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous avons avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après la discussion qui est faite avec l'institution, le ministre finance avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement soit beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec institutions financières, au plus haut niveau, nous avons trois bagages. Un, ils comprennent et acceptent que la situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Ils sont d'accord avec nous que nous allons rouler le portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons faire pour nous restaurer. Sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine là, et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Là. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très, très contents de ça qui sorti de nous. Plus particulièrement, BID dit même, il dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous comment nous avons réinvesti le moment pour compléter soit DIA, qui c'est le recouvrement. L'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progrès tout dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une, pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réaliser. Mais plus que ça, institutions, en général, ils ont une pile d'influence. Ils ont une pile d'en convaincre l'autre monde qu'effectivement, ça est bon et ça n'a pas avancé. Nous avons l'impression que nous sortons dans la discussion avec des mondes qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus convaincus que Haïti, qu'on côté le bras, les grandes directions, la population a supporté. Et vous parlez ou même pour vous réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est excessivement important pour le succès, j'aimerais dire la transition. Donc, nous faisons des discussions très, très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence. Une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que, éventuellement, le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un bail qui doit arriver après, c'est un bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que reste contingent va venir, nous ne pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans. Et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même deux grandes piles questions pour nous. Qui pour nous là à faire élection hein? Comment on dégage sous l'autre priorité qui était baïté tout? Comment on parle un jour là à faire sécurité hein? Comment on voit cinq grands chantiers, comment on peut le réaliser hein? Et nous sommes plus ou moins rassurés, hein, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite,
Parce que une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le gain engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à l'un pour engagement. Nous disons, bah, privé telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington, côté que vous renouvelez engagement, vous pouvez accompagner nous jusqu'au bout. Vous prenez note du fait que vous avez une urgence, vous acceptez le fait que nous avons défini avec vous. Mais surtout, c'est nous qui avons défini côté de l'aller et nous avons expliqué comment vous même vous pouvez accompagner nous mieux. Donc nous rétablis, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sous question sécurité. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous allons parler avec le Conseil de sécurité, nous avons une belle conversation avec le même Conseil de sécurité. Côté de gain, dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça, et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens. Ils n'ont pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoir de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence, de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité A. Et membres qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagne Haïti, des pays que nous pas trop engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que son opportunité historique, accord politique, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis, entendent son vision commune. Et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous l'accord là et comment nous allons avancer sur ça aussi. Ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui, je dis à la justement, ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire là, engagé un pour retourner le plus rapidement que possible, mais indépendamment du fait que vous pouvez retourner, vous pouvez écrire capital pour vous dire capital qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement ça. Évidemment, entre réunion ça avec les différents bilatéraux, nous profitons tout de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson a organisé pour nous une rencontre avec tout élu qui est d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très, très, très pratiques sur comment la diaspora pourra l'impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et de sous autorité américaine, pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le Henry New York, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois. Côté que nous avons resensibilisé la diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel le succès transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'a pas de la situation, ça, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou gain, tout sort gain la main, tout outil ou gain la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer au pape café back. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, n'allez. Mais nous profitons tout pendant nous t'es Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous t'avons une réunion spécifiquement sur question passeport. Nous avons des milliers d'Haïtiens aujourd'hui qui souffrent, qui attendent passeport, et c'est inacceptable. Nous faisons réunion à l'ambassade là, avec l'ambassadeur, entre autres, mais surtout avec le directeur d'immigration qui font évaluation. Et nous avons une disposition après une semaine, ça a même pour nous assurer que très, très, très vite, la question passeport a commencé à débloquer parce que c'est un problème pour Haïtiens à travers le monde. Donc, en gros, peut-être si ma fais un résumé pour nous, mais ça que tu as gagné dans le voyage là. Et évidemment, et moi, tout à fait ouvert à un nombre limité de questions. Deuxième marron souhait que malgré j'aime toujours dire ça ici hein, que diaspora haïtien en pile nan yo intéressé pour que la caille capable venir d'ailleurs PM nan dit
dans toute vie retourner qu'il t'a fait yo, li profite rencontrer haïtien dans diaspora dans Miami, dans New York, l'autre côté encore, côté que gen un ensemble de série d'activités que y a préparé, y a planifié dans mois qui venir là yo pour comment que diaspora haïtien capable vraiment impliquer dans l'autre Haïti, dans nouvelle Haïti. Ça veut dire que espoir pas perdu. Espoir même moi même avec ou là qui toujours encourager diaspora, toujours dit diaspora haïtien, on fait ci, on fait ça, restez confiant, restez quoi, ça veut dire que gagne de monde dans diaspora, gagne de monde bam de deuxième. Yo réalisé, malgré yo implanté un business États-Unis ou bien Canada côté rien. Yo t'a remis implanté business à toi Haïti parce que les Haïti, il y a facilité plusieurs dizaines centaines jeunes mais monde jeune travail. Yeah, côté implanté dans pays côté oui hein. Mais yo facilité soit de haïtien ou timons que de l'autre nation travail la donne. Et l'argent qui rentre dans business ça, l'a grandi économie pays côté oui hein. Mais si c'est Haïti tu as investi business ça, l'a permettre que plus haïtien cap sorti dans chômage parce que retirer 10 15 20 30 haïtiens dans chômage et c'est comme si c'est au moins n'importe 500 600 familles oui ou aider parce que grand monde ça ba on combien monde qui sous responsabilité en termes de madame petite mari petite gen maman papa frère sœur gen cousin cousine et gros ami quand même ou partenaire que l'a aider quand même et gen monde comme étranger l'a aider quand même que sous chemin mais s'il pas travailler pas faire rien ça va le faire et ça fait ça attire attention les que DJ Benel te dit que a fait un secteur le secteur la jeunesse nèg marche avec enveloppe jeune en bas yo pour ça jeunesse ça li pas mette l'état dans condition pour tablir sécurité pour investisseur cap vivre en dans pays an. Et même si la qui à l'étranger ou capable investir en Haïti et ou même qui sont jeunes, qui compétents, qui qualifiés pour travail, même les ou pas gain comme si on compétence dans la matière pour travail. Et ça fait à l'heure dans mise en contexte ou où tu es soulevé pour un bishop Grégory Toussaint qui bâtit alors qui inauguré l'église Tabernacle de gloire dans Miami États-Unis. Et elle présente et bilan dépense l'argent ça 60 millions de dollars. Moi m'pa pral entrer dans débat de religion. C'est voilà parce que dans question ça moi-même un journaliste, un directeur d'opinion micro l'ouvre pour tout le monde. Un journaliste et un citoyen du monde. Nous pas là pour limiter parole avec quiconque sauf que si moun ça mais si secteur ça l'état mettait restriction ensemble avec lui. Mais un journaliste, il n'est pas limité dans le travail, il est dans le micro. Donc, je n'ai pas besoin qu'une foi chrétienne, mon cap garder l'émission ça. Ils n'avaient pas besoin d'entrer. Je n'ai pas entrer dans le débat chrétien, je n'ai pas besoin d'entrer là moi-même. Vous comprenez? Mais, l'en garder, vraiment, je n'ai pas le débat qui a fait sur les réseaux. Parce que, est-ce que c'est pas parmi. Alors, je ne connais pas, mais Grégory Toussaint, parmi les Haïtiens. Qui vient ici, États-Unis, non l'âge, moi, c'est à 14 ans, je suis venu ici. Qui fait un exploit comme ça? Comme haïtien, qui vivait, construit une église, un tabernacle, quand c'était l'âge, et qui imposait l'États-Unis. Bien que, il y a des gens qui ont fait débat sur l'argent, ça, je ne vais pas entrer dans le débat, ça, moi-même. Pour ça, je vais pas investir en Haïti, mais je dis, hein, Monsieur Grégory Toussaint était clairement dit que il a acheté un Cécile Capitole qui bon petit séminaire sémantial. Mais moi pense moi était quoi que si vinn gen sécurité gen la peine dans pays gen de bagay que un Cécile Capitole capable venir réaliser et gen pile moun moins informé que et ba konnen gen Alex Chekin Haiti moi sou bravé en a ben ba konnen yo aider de moun yo aider petit moun ba konnen bagay nan kesyon ba konnen moi apprendre bagay comme ça bon là c'est bon réseau comme si m'a défense Grégory Toussaint m'a rentrer d'ailleurs li ba konnen bon juste konnen comme haïtien k'ap fè ba même et pas moun ki me konnen physiquement que li même konnen physiquement tout et pas la problème nan yi mais est-ce qu'on konnen tout avec tabernacle de gloire que Grégory Toussaint inauguré bien que quantité l'argent dépend m'a connait yo rassemblé famille Chekina et m'a connait rassemblé pour faire là. Li va créer un ensemble de job emploi là-dedans. Et c'est comme ça.
La créé un ensemble de emploi et job la donne parce que faut qu'il y ait moun qui pour faire nettoyage, faut qu'il y ait technicien pour arranger système son. Elle dit la créé un ensemble de emploi, ensemble de job la donne. Quelque part quand même, il y a un ensemble de haïtiens qui quand même et même des étrangers qui bénéficient de ça. Et ça fait nous besoin de sécurité en Haïti. Parce que m'a dit oui, m'a dit non. Mais peut-être qui va les haïtiens qui t'a gagné plein pour faire de investissement en Haïti. Moi-même d'en parler avec un haïtien, faut me dire ça sincèrement. Ça c'est bagaille. C'est un témoignage vivant que me gagne moi-même. M'd'en parler avec un haïtien qui dans diaspora. OK? Monsieur qui s'en relé. Monsieur qui un mini market. OK? Dans cette côté monsieur ayant monsieur qui un mini market. Mon ami market ça c'est vrai comme haïtien il vend un paquet bail là-dedans. Mais il dit me blaise, est-ce qu'on est m'te fait des démarches pour m'tal ouvrir un annex market ça haïti, m'quoi dans zone pleine quoi des bouquets ça yo. Même pas capable ouvrir non. À insécurité non. Ça veut dire comprendre? Dit gars pile haïtien dans diaspora qui gagne volonté pour t'aller investir Haïti oui. Et gars pile étranger tout qui peut-être en Haïti mais qu'à l'étranger qui gagne volonté tout pour t'aller investir en Haïti. Mais Babo menti tout. Pas aucun côté. Nous, si pas une sécurité pour investir l'argent. Un côté, la bandit qui a vu, bandit qui a tout, bandit qui a kidnappé, qui a une manifestation, n'est pas passé le craser, n'est pas passé le piller, n'est pas passé le mettre diffé. Mais mes amis, et ou pas un l'état qui vraiment cap dédommager. Si c'est, si vous parlez les X ou parlez les Y qui gagnent non, pour si que vous business au craser pour l'état dédommager, mais si malais qui va vraiment gagner non, les comme si manifestation, mais bandit piller, bandit craser, bandit voler, l'état va dédommager. C'est tout ça, il faut nous penser à eux-mêmes. Pour que nous créions tout ça comme des conditions et pour permettre que, eh bien, quelques qualités, mon cap investi en Haïti, alors qui a en Haïti, qui a l'étranger qui a investi en Haïti, et PME, petite et moyenne entreprise, capable d'investir. Gè de quoi là pour moun patra ou te ka toujours travailler avec moun mais gè de quoi si pa gen sécurité pa li ouvert avec touristes ou te ka prendre des initiatives ou investir à propre tête ou créer des richesses avec tête ou des yvenes. Ben oui Blaise, nous te tout temps dit ça parce que diaspora pa gen problème pour venir investir. Diaspora pa gen problème pour venir faire développement à création richesse en dans pays a. Mais kounyèr c'est l'État que nous gagnons qui entend presque chaque 5, 10, 15, 20, 30 l'année, où il y a des gens qui te baillent tout le temps, qui te baillent toute énergie, toute génération dans le travail, dans faire plusieurs jobs. Et puis, un bon matin, un groupe nègre qui part même bien, un groupe nègre tout senti fort, arrangé, il vient mettre au dehors dans le caillou, il prend le caillou, il habite là-dedans. Coup ça, il y a un pile. Faut que vous joignez un gouvernement qui arrange pour bailler des garanties. Que ça pas privé encore. Faut gagner des balises qui poser. OK? Pour au moins ça permettre que mon jeune bon j'ai confiance pour y recommencer. Parce que en pile monde qui dans diaspora les personnes, yo non perpétuel recommencer par rapport avec ça ouais qui a passé ce 29 février pour jusqu'à jeudi dans asso que monsieur criminel vivant ensemble de lancé hein. On paquet gros building, on paquet business. Ça côté diverses autres qui a appauvri non l'autre forme qui a vivant dans pays a qui dit en début de toute situation pas bon ni pas quitter faut qu'il continue rester pour dans goût mais dans bataille parce que a bon groupe monde qui a prêté la pas capable faut comment gagner des services que côté vendre qui prend risque déplacer car la frontière il a l'acheter pour venir vendre dans l'espace eh ben bandi pas quitter au traverser mon sort gain répiance gain dégoûtance il envie quitter pays a comme monsieur dame qui dans le gouvernement ça fait quoi qu'il a touché des situations il grave en pile des mon te met tabal 600 millions que autant des et force multinationale la vienne pas ca vraiment réparer l'on pour déficit qu'elle fait parce que ça mon a réalisé comme rêve il pas de prix parce que il faut pas qu'être sacrifice pour réaliser grand rêve ça un bon matin il perdit dans l'ingérence dans l'irresponsabilité. L'État qui passe mes responsabilités par là, qui cause qu'on débandade, qui baille bandit le plein droit pour agir dans le pays. Ou les diaspora, qui participent en pile fois, dans nourrir l'insécurité qui vient dans le pays. Parce que, c'est clair, pas des âmes qui fait en Haïti, pas des cartouches qui fait en Haïti. Il y a des gens qui arrangent, qui achètent, pour voir venir vendre là, pour rendre que la vie est difficile. Et bien, toutefois, une autorité estimée, qu'elle doit prendre responsabilité face à cette situation. Ça, nous devons battre bravo, la contentement pour lui, encourager pour continuer à combattre la peine.
Si on fait retour pour aller 2010, 2011, 2012, ensemble d'autres, on a de tout dire qui est là que le pays a été pris. Après 12 janvier, on paquet l'argent collecté, on paquet l'argent rentré, ou jusqu'à présent, pas une personne. C'est IRS, pas une personne qui a été l'argent, ça a fait. Il y a le logé d'ouette, son ancien président, États-Unis d'Amérique, Clinton, avec Madame Ni, qui vient là, faire des ordres, il y a viré de ou aller. Mais il y a toujours fait des ordres, comme ça qu'il y a toujours fait des ordres. Parce que ensemble, monde qui a dirigé, qui arrive sénateur, qui arrive député, qui arrive président, ce sont des pions qui pratiquement viennent là. Ils ont dit il y a bataille dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, mais non pas pour l'intérêt des Haïtiens à travers la République d'Haïti. Nous avons besoin de patriotes. Nous avons besoin des hommes honnêtes, crédibles, qui viennent prendre les désidérata, parce que ça qu'il a, ça a bandit au créé là, comme expert Gary Conny, qui pratiquement a une expérience internationale dans l'échange qu'il fait avec Mounsayo. Mais même, nous voulons qu'il connaît. Voilà ça qui a passé en Haïtien là, ça, nous vivons ensemble avec tout le réseau criminel qui a dans le pays à fait, nous pratiquement rendons le pays d'Haïti fait un bac jusqu'à 30, 40 à 50 années. Vous pratiquement retenez. Et que des gens là qui victimes, vous te mettez à dédommager 5 fois la valeur sale perdue en liberté de mettre pile là encore. Parce que il était subi agression qui était en goût à mettre en bouche comme grand monde qui gourmet pour construire. Tissu est trop déchiré, trop division en dedans pays. Donc, besoin au moins utiliser les ondes de la pouvoir. L'union fait la force, la prendre au moins que nous yon vienne combler l'autre. Nous yon ap kaye de l'autre. Bien content. Premier ministre Gary Conny reconnaît que la police a travaillé à zon. Gen yon embargo qui était red sous force l'armée d'Haïti. Et c'est pas des armes continuent à rentrer dans le pays. Hein? Parce que groupe moun kap vann zam yo, ça fait plaisir. Chaque fois gen gen dans le pays d'Haïti, il faut gen marché pour être capable d'écouler ensemble des produits illicites ça qui a vann dans le pays. L'air est grave. Moun yo pas katane. 4 chantiers que Gary Conny parle yo, il parle de grand temps. Le premier, c'est l'insécurité qu'elle doit aborder. Et puis, tout le problème, on va se dire, il y a résoudre, automatique que résoudre le problème d'insécurité. Quand tu es dans le chômage, là, il va diminuer. Parce que, pour algon nèg la qui est international, pour algon femme qui est international, là, qui veut comprendre. Et, bon problème l'hôpital qui présente là, bon problème pharmacie qui présente là, après des gars qui font fait, il y a fini investir. Il a fini d'investir parce que il y a pas une opportunité pour investir dans le pays côté où il y a. Grosse somme de barèmes qui mettait. Il a fini d'investir la caillou qui va le permettre ses cousins, ses frères, amis qui dans quartier a vient un petit bout de job. Petit bout de job ça va permettre que au côté qui change la caillou. C'est climat de sécurité à pour nous arranger. Pourquoi dans tout dernier moment nous qui j'ai hostilité gagné dans Grecier, craser commissariat, dans quoi des bouquets, craser la mairie, mettre du feu dans machine la mairie et puis dans même semaine là. Votre parole vive ensemble, non? Barbecue, pral palé. Pour faire histoire. Pour montrer qu'elle parait pour zam bébé. Pour suspendre le gouvernement entre eux. Par contre, depuis qu'il a négocié sa sagesse, malgré PM Gary Conny a utilisé sagesse dans l'engagement, pour parler avec Négio, Négio refuse de comprendre. C'est pour passer à l'action qu'on y a, Blaise Peterson. Et pour passer à l'action. Si nous ne passons pas à l'action, eh bien, n'apprenne que bandi vient plus méchant pour d'ailleurs nous on tellement apprendre pas prendre point nèg canarin au fait musique nèg canarin au fait musique barbecue té organisé parade avec nèg qui avec exam qui avait lieu pour monter question force multinationale qui n'a parlé ça pas représenter rien pour lui il pas prendre il pas paix et bien pour montrer que n'pas venir jouer avec c'est pour nous passer dans Badelma pour n'al bail son visite et visite que de al bail monsieur il veut se tourner avec pour faire respecter l'autorité de l'État, pour récupérer caille en caille, quartier en quartier, ville en ville, pays, ils sont un gros sacrifice. Mais nous devons lancer ce sacrifice. Parce que personne qui décide de faire sacrifice, qui pas gratifier les sacrifices qu'il a fait avec cette personne. Et tout ce besoin fait, tout faut ou oser la donne. Mm-hmm. L'État pas pour l'oser, non, mais comme moi, l'État, son l'État, c'est l'État plus envie m'en dit pardon, pitié, que l'État agit. Mais tout ça PM qu'on y a dit là yo, c'est pas dans bouche l'a dit yo, faut que gagne action prouver ça. Récupérer caille en caille, permettre que plus que 500 000 moun tourner la caillou, que bandi pousser d'yo, ça pas gagne tant moun, il a bien dit.
si la paquet en mon yo, li pas prêté l'on fasse dialogue. Parce que, comme on pral mande pour me tourner la caille moi pendant ces temps, que ne qui te pousse dom yo, yo toujours été dans même zone avec même zame sa nan men yo. Et ceci dit, yo vini renforcer tête yo. Qui garantit m'ral gagner pendant m'ap dormi, que nek se pap tourne vin krasé la caille moi, mais mette dife sou moi tout vivant dans la caille ça. Comme on pral mande que pour moi retourne à circuler dans Badelma, pendant que nek bel air yo, mette anek Badelma barbecue yo, nek yo continue à tuer moun nan Front National. Qui garantit m'ral gagner comme si qui garantit moun Front National m'ral gagner pendant cet temps qu'on est que yon doit un après-midi samedi, yon doit prendre petit plaisir comme ça dans zone et nek yo passe bas au fond fusillade. Dit là et depuis qu'il est bel air que nous connaissons, madame Kolo qui nous connaît, dame sac toujours campé avec Jibon, qui est toujours en l'air. Depuis qu'il est là, vie, reprenne ça. Depuis qu'il est à l'assister aux messes dans l'église perpétuelle, secouant les têtes bel air. Depuis qu'il est au roi du bel air fonctionner comme centre de santé. Depuis qu'il est complexe du bel air qui est fonctionné. Nous, c'est ça clair. C'est rager ses pieds bois qui poussait dans un bon cathédrale. Je dis un PM. Et ben non, bouche non. OK? Et ben non, bouche non. Que. Wap dit que l'État pral encore récupérer kay en kay, zone en zone, ville en ville, quartier en quartier. Non! PM, faut commencer à agir. Faut ou commencer à agir. J'en bien dit un. Et l'État va faire tout tapton. Non, l'État va faire tout à temps, l'État grand monde. C'est l'État maman et l'État papa. Pas qu'à l'État pour aller parler à l'État. Et bien l'État pour aller pour aller civiler le monde dans le bout de l'an. C'est le monde qui peut venir dans pied l'État, dans pied maman, papa, pour venir parler avec, pour venir discuter. L'État c'est papa nous tous, l'État c'est maman nous tous. Quel que soit tes bandes ou tes citoyens ou tes sortis, l'État c'est pour nous tous, oui. Mais quand là, soumet au parmi moun ki or la loi yo, parmi moun ki or ki a agi en dehors de la loi, je dis an, pa mande pou l'état et nan rien d'avoir. Je dis an, c'est vrai que nou pa ka di fòk problème yo rezout par violence, mais li écrit nan sou blan tout, l'état c'est li gen monopole violence légitime nan. L'état c'est li gen monopole violence légitime nan. Donc, il écrit nous en sublant sur ça. Je dis, hein, oui, est-ce que l'État a dû dialoguer avec Bandi Armé? Bon, si vous voulez dialoguer, ça veut dialoguer? Ça veut dialoguer? Mais ça ne peut pas dialoguer, l'État va pouvoir le chercher pour demander dialogue. Pendant que l'État demande ça, Boutan, il y a toujours gain. Et comment? Quand est-ce que vous avez dit, et pendant quoi des bouquets? Et chaque samedi là, oui. Mon yo pote ni et chauffeur pote ni 5000 goud 10000 goud ba bandi yo yo paye yo et si yo pa pote comme ça pour l'homme yo tout yo pa ka passer non avec bus sa yo à machine sa yo donc je dis hein nous pa demander pour comme si nego déposer les armes et pote tête ba la justice et n'importe 3 ans pral dans 4 ans là côté ni les palais justice pa gagner encore il va exister non palais et en bas sur cette tunnel là. Nego pille écrasé ensemble de tribunaux en bas la ville. Nego crasé prison. Qu'est-ce que vous mettez yo? Bon, yo pas même prendre justice à moi rien. Je dis hein. N'a dit bagarre la clair, j'en dois dire là. Est-ce que on ca résoudre un problème violence par violence? N'ta capable dire, n'ta dire non. N'ta dire non. Mais quand il te violence n'yo geta préfère là. Je ne gars bien en violence ça gien là bordé. Ou pas c'est comme si on bon matin pour demander ISO pour pas juif ça gien là comme bien geta comme fortune geta gien là yo. Vraiment des et comment là moi sans jour pour pas comme bon imagine ou. C'est vrai il gien grand pile l'argent, bah on peut combien gien l'argent ça gien dans main yo. Mais il est là ça comment c'est fini, ça va le faire. Il va tourner pendant rien quoi. Il va tourner kidnapper biska passer kidnapper moun. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis à vous comprendre ça yo. C'est soit que
nous bandi au respect bay bandi au pays on dit mais l'état prend responsabilité dès que nous pral fini pas grand peu le temps. Quel état prend responsabilité à travers la police, la justice, force l'armée d'Haïti et ça qui a venir en aide yo, yo besoin bien coordonné ensemble de ça qui a bail comme support avec autorité haïtienne qui participe dans le combat depuis un bon bout de temps et en pile là yo impliqué là-dedans. Nous voulons parler de ça aussi là pardon qui sont dans classe politique là et même Jean-Tou si la auto qui dans et classe économique qui participe au secteur privé des affaires là qui entend en pile fois pour continuer n'en permettre que pays a point des situations très difficiles parce que yo tout le temps dit y a nager et à travers les doublés et tant que j'ai été de Jovenel Moïse Lia et pour gain courant et il a toujours parlé gros français et il va y avoir mort d'homme si gain courant yo manger Jovenel Moïse dans ça faut que nous apprenne et qu'on est chaque jour dans tout pays que nous aller comme autorité qui passe dans gouvernement ouais qui gens monde vivent nous ouais qui gens et yo encadrer monde nous besoin encadrer jeunes garçons jeunes femmes qui gain là pour suspendre l'activité bamboche acte de bosse et laisse ça. Il y a arrangé ouvert la science et à travers la science, il y a local en tant que peut faire développement en dedans pays. Diaspora, nous connaît on souffre dans nous, on souffre dans venu, mais c'est pas arrêté tant que Haïti a le pareil pour, mais c'est travail bon côté pour permettre que Haïti a bon pour retourner. Mais espérer ensemble diaspora entrer dans dialogue avec Gary Conning pendant le temps Washington DC, pendant le rentrer Miami, il était mettre les problèmes nécessaires, problématiques, il était mettre en face PM là. Comme PM a montré, garanti, pour récupérer Port-au-Prince et récupérer ville de province, moi-même, j'ai tout dit ça. La caille, moi, dans le département de la Tibonite, dans la rivière de la Tibonite, il n'y a pas qu'à attendre pour ça que la petite rivière de la Tibonite est représentée historiquement parlant. Ça qui a passé là-dedans, dans le patin de rivière, même dans le domi. Mais les autorités, ouais, dans le clair que ça a privé, ils ont besoin d'arranger pour contrôler la situation, pour retirer. Et il faut la crête à Pierrot, par les 365 portes, sous contrôle bandit. Grand griffe qui achetait espace ça pour la pour l'argent là au rivière l'Ester dans zone ravine à Koulov côté de une grosse bataille qui était faite en quatre batailles indépendance côté bandi koko atsarato pratiquement occupé ensemble d'espace ça et c'est pas donné qui vient comme président comme ministre comme directeur général là au parti yo ouais journée mémorial aux États-Unis qui j'ai fait ça fêter grandiose OK qui j'ai baissé sa valeur espace touristique yo. Qui j'ai encadré pour faire quoi avec touristes qui rentrent. Nous besoin faire ça parce que nous avons l'argent qui existait déjà, parce que nous avons site touristique, nous avons la nature, les jouets en faveur, nous pratiquons la nature qui est appropriée. Dans tout moment, à quel que soit couche, nous avons cap vin là, nous avons pratiqué bien dans la mer, nous avons pratiquement entendu vin bien dans le soleil naturel que nous gagnons, qui l'a pendant toute saison. Malheureusement, nous n'avons pas quitté l'argent avec ça. Et chaque étranger qui vient là, il prend envie à la Cali, parce que l'Ouest, c'est une richesse que nous gagnons. Nous quittons qu'à gaspiller. Nous avons besoin de responsabilité. Apprendre mes patrines, remet la Cali. Et sans doute, on joue ou pas regrette parce que tu participé dans la bataille pour te permettre que Haïti te retourne grand monde ou grand dette, malgré la situation qui paraît très difficile. Merci en pile, Désir Venesse. C'est un plaisir. Nous avons croisé dans la journée pour émission Parler pour Changement. Côté que nous prenons pour nous continuer à faire débat, analyser ce qui a passé dans le pays. Hein. Pendant que nous avons des amis qui à peine rejoignent nous sont ensemble médias, ça y est. Mais ça, nouvelle, Blaise Info, pas une nouvelle.